Ils disaient que l'oubli était leur passion dominante. Ils voulaient tout réinventer chaque jour, se rendre maîtres et possesseurs de leur propre vie. Tout comme on n'apprécie pas la valeur d'un homme selon la conception qu'il a de lui-même, on ne peut pas apprécier de telles époques de transformation selon la conscience qu'en a l'époque. Bien au contraire, on doit expliquer la conscience à l'aide des contradictions de la vie matérielle, à l'aide du conflit qui existe entre les forces de production sociale et les conditions sociales. L'élargissement de la vie quotidienne n'avait pas encore suivi les progrès atteints dans la domination de la nature. La jeunesse s'écoulait entre les divers contrôles de la résignation. Notre objectif a saisi pour vous quelques aspects d'une micro-société provisoire. La connaissance des faits empiriques reste abstraite et superficielle tant qu'elle n'a pas été concrétisée par son intégration à l'ensemble, qui seul permet de dépasser le problème partiel et abstrait pour arriver à son essence concrète et implicitement à sa signification. Ce groupe était en marge de l'économie. Il tendait à un rôle de pure consommation et d'abord de consommation libre de son temps. Il se trouvait ainsi directement occupé des variations qualitatives du quotidien, mais dépourvu de tout moyen d'intervention sur elle. L'aire de déplacement de ce groupe était très réduite. Les mêmes heures ramenaient aux mêmes endroits. Personne ne voulait dormir tôt. La discussion sur le sens de tout cela continuait. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage. La littérature abandonnée exerçait tout de même une action retardatrice au niveau de quelques formulations affectives. Il y avait la fatigue et le froid du matin dans ce labyrinthe tant parcouru, comme une énigme que nous devions résoudre. C'était une réalité en trompe-l'œil à partir de laquelle il fallait découvrir la richesse possible de la réalité.